Zone interdite. Secret et coulisses du palais de l'Elysée. Secret et coulisses du palais de l'Elysée, dans zone interdite sur M6, ce dimanche 26 avril 2015, en première partie de soirée. Sécurité, logistique, cuisine, conseil des ministres, etc. Un reportage tourné durant plusieurs mois. Présenté par Wendy Bouchard. Vous allez découvrir ce soir la première maison de France et comme vous ne l'avez jamais vue. Pendant plusieurs mois, nous avons vécu avec celles et ceux qui travaillent chaque jour au cœur du pouvoir. 800 femmes et hommes qui incarnent l'excellence française, ils sont des rouages essentiels de la machine élyséenne, travaillant au palais depuis parfois plus de 30 ans, car les présidents passent, mais eux restent. Dans les 500 m² des cuisines, le chef, Guillaume Gomez, plus jeune meilleur ouvrier de France, occupe à 36 ans un poste stratégique. La gastronomie est une arme diplomatique pour la présidence. Notamment lors des dîners d'État, ces réceptions au sommet donné en l'honneur de chefs d'État étrangers et où se croisent ministres, hommes d'affaires et artistes. Sous les ordres du chef, une brigade de 22 personnes, le Benjamin Kylian, 15 ans tout juste, fait ses premiers pas au palais comme apprenti pâtissier. Ses premiers hôtes de marque, le roi et la reine de Suède. Virginie Rotis est la première femme sommelière de l'Élysée. Elle officie auparavant dans les palaces parisiens. Dans sa cave, 11 000 bouteilles, d'écran cru, mais aussi la collection de saké de Jacques Chirac. Mais en ce moment, de plus en plus de produits producteurs entrent dans les caves élyséennes, et car la tendance est à l'économie. Le budget de l'Élysée, 101,5 millions d'euros par an, est d'ailleurs en baisse de plus de 8% par rapport aux anciennes mandatures. Lors d'une situation de crise, les salariés de l'Élysée sont aussi en première ligne. Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, le palais se transforme en bunker. Mike, le garde du corps de François Hollande et tous les services de sécurité sont en état d'alerte maximum. Pour la première fois, une caméra a suivi les forces spéciales de la garde républicaine, s'entraînant au sein même des salons d'apparat ou dans les entrailles du palais. Une plongée inédite dans le secret de l'Élysée que vous pourrez découvrir.